Et salut les amis, on continue dans le random building avec un nouveau challenge qui s'offre à nous. Et sans plus attendre, le tirage des héros en random. 5 poules de héros, 2 seront défaussés au hasard, un troisième sera défaussé aux portes de la finale, et 2 finalistes parmi lesquels seront choisis le grand héros, la grande composition. On est parti, c'est maintenant. Le premier héros sera dans une première poule. Et il s'appelle Albarade. Et oui, Albarade, un héros que je n'ai jamais joué. Pour la simple et bonne raison que depuis qu'on a. Déjà, je le trouvais un peu mal calibré. L'effet sympa, pouvoir engager un deuxième ennemi, c'est sympa. Après, il faut être très solide en défense. Mais. Non, il manque quelque chose. Pouvoir s'engager. À partir du moment où il est engagé avec un ennemi, tu peux l'envoyer en ressources sans s'incliner. C'est sympa, mais pour ça il aurait fallu qu'il quitte à 3 par exemple, je pense, et qu'il ait aussi un bonus de plus 1 par ennemi engagé avec lui, jusqu'à un maximum par exemple de 4. Ça aurait été très raisonnable. Il aurait égalé avec 2 ennemis engagés avec toi, il aurait égalé les défenses de Bérégon. Et là il y avait moyen de builder quelque chose de sympa. Il reste moyen de builder des trucs sympas, mais trop équilibré dans ses stats. J'aurais mis moins d'attaque pour plus de défense et de volonté. Peut-être même moins de points de vie, genre 3 points de vie, 3 de défense, 3 de volonté. Ou enfin, quelque chose de plus orienté pour ça. Dommage pour lui. Ouh, Sire, on envoie du lourd avec du Noldor bien chaud. Le troisième héros sera Ama. Ce sont donc les leaders de leur composition, les capitaines de leur destin. Denethor 1, et non pas le 2, le bon vieux Denethor 1. Et la dernière, attention. Ouh, Thorin, injouable dans une compo multi. Je ne vous cache pas que celui-là, il a très forte chance de s'en aller. Parce que les nains, les exploiter, enfin, sauf si c'est Bifur et Balin, mais les exploiter dans des randoms, c'est très compliqué. Alors, pour aller avec Albarad, nous avons le gros Bolgé. Alors là, on part sur du lourd, du très très lourd. Deuxième pouvoir accompagner Círdan sera Gimli 2. Or déjà là tu commences à 23 et tu te demandes qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre avec ces deux-là. Gimli 2 que j'apprécie pas spécialement. Je l'ai vu tourner avec les Legolas 2. C'est sympa, il y a de l'idée, mais je trouve que les bonus sont pas encore assez. Ah, je sais pas, je trouve ça lent, pas assez impactant. Il défend K2. Derrière Legolas, il est pas dans sa sphère avec ses armes, c'est fun, ça, mais ça reste plat, je trouve, tant que maintenant, il aurait fallu autre chose, je pense, je sais pas. Ouh, Mabling avec Amar, on a presque moyen de faire du récursif. Par contre, niveau quête, c'est folichon. Pour accompagner Denethor, attention, ouh, Éowyn 2, là, il y a un build qui se prépare, qui peut être sympa. On a déjà accès au bouclier Gondor pour Denethor 2. Houdin et Thorin, ça change tout, mesdames et messieurs. Ça change tout. Ouh là là. Attention. Troisième héros à venir avec Gros Bolgé Albarad dans cette composition de feu. Dwalin. C'est dommage qu'il ne soit pas arrivé aujourd'hui. Recommencer par le bas et remonter. Ben voilà, ben Dwalin. Ouais, c'est peut-être un des rares nains qu'on peut utiliser en dehors d'une sphère un nain. Également avec Bifur et justement Balin. Quand elle attaque et qu'il détruit un orc, on diminue la menace de 2. Il est énergie, j'ai envie de dire. Il aurait dû être tactique celui-là. Et fraisé à 3 avec 0 de quête peut-être. Hein. Dommage, il a un beau bonnet rouge, une belle hache avec un gros bâton. Il est passé pas loin du coche. C'est dommage, je pense qu'on a déjà notre première compo qui ne sera pas sélectionnée. Alors la deuxième, attention et Gimli. Ouh, Aragorn 2. Alors là, on commence déjà quand même à 10, 20, 30, à 35. Quoi. Donc même si tu utilises Aragorn derrière, tu ne diminues jamais qu'à 35 ta menace. Je pense que cette compo-là, on va pas la garder non plus. Attention, on continue. Ouh, les Legolas, là. Alors la récursivité est totalement possible. La quête, un peu moins. Mais ouais, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Et alors, Denethor 1, Éowyn 2 et Thalin. Quel talent! Donc ça peut déjà quitter à 5 avec un gros défenseur derrière. Ouais, pas évident. Et là, ici, on va prier pour un nain.
On va prier pour un nain, mais bon, les chances d'avoir un nain sont pas. C'est pas excessif, mais on sait jamais. Hein. Bon gros Dory. Ouh, c'est Glowin! Ça, c'est magnifique, ça! Ouh, c'est formidable, quoi! Trois nains en random, le truc qui peut pas arriver avec Dindan. Le gros problème, c'est que j'ai pas un nain de l'autre couleur, quoi. Mais il fait envie, ce deck nain. Il commence haut, par contre. Il commence à 32. Ouh, ça fait envie, tout ça. Ben voilà, notre sélection de 5 héros. Pas facile. Bon, déjà celui-là on va l'oublier. Il donne très envie à l'oreille, mais non. Ça quête mal, ça défend mal. Enfin, ça défend moyen. Ça frappe moyen. Non, non, d'office celui-là, je vais l'écarter de moi-même. Et le deuxième m'a écarté. Ou alors est-ce que j'écarte le suivant en random? Non, le deuxième que je vais écarter, je pense que ce serait. C'est, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup ça. Ou j'écarte le reste en random, jusqu'à ce que j'en aie plus que deux que je choisis. Un des deux. Là, les deux versions me plaisent. La première fois, j'avais écarté un deuxième de moi-même et j'avais fait le reste en random. Ce qui permettait vraiment de limiter la casse. Je pense que je vais continuer sur cette optique-là. J'ai presque envie de garder le deck tactique pour voir ce qu'il pourrait faire. Le deck nain, clairement, je vais le garder parce que ça me fait marrer. Denethor et Wintalin, c'est marrant aussi ça. Mais je pense que je vais très vite me retrouver bloqué en quête. Je suis tout au-dessus en fait, il a une très bonne capacité de quête, une bonne capacité de, plus ou moins de défense. Le problème c'est qu'il est trisphère et que je pense que le trisphère ça va être compliqué. Il y aurait eu un Sylvain avec Gimli, j'aurais pu tenter pour rentrer des cartes qui jouent un peu sur genre la carte amitié improbable ou quelque chose comme ça. Unlikely friendship. Pour gagner de la ressource et justement pour envoyer cette ressource à quelque part sans devoir incliner de personnage. Mais là, je commence à 35. Je pourrais éventuellement essayer de rentrer un deck avec Vilia, avec Naria, en jouant sur Cirdan qui aurait la lumière de Valinor. Mais je vais. À côté de ça, il faut vraiment des alliés quand même assez costauds pour pouvoir profiter de Naria. Ce qui est pas le cas du tout avec ce deck. En plus, ça commence à 35. Ouais, je crois que je vais enlever celui-là. Et on est parti pour du random. 2-3. Alors, pour le random 3, c'est parti. Je sais pas ce que j'ai envie de garder dans ces compos. C'est parti, alors on va éjecter le numéro 3. Eh ben, il n'y aura pas de nain. Oh, je suis triste, quoi, bordel. Il n'y aura pas de nain, quoi. Ah, oh, il y avait quand même moyen, je pouvais rentrer. Ouais, il y avait franchement moyen de faire quelque chose de très sympa, quoi. Dommage. C'est très dommage. En tout cas, ça allait chier de la ressource, ce deck. Malheureusement, cet EGN ne le veut pas de cette oreille. Et pour la finale, le grand vainqueur sera. En numéro 1, Ama, Mabrung, Legolas. En numéro 2, Denethor 1 et Win 2. Tanin. J'avoue que je sais pas lequel des deux j'ai envie qu'il gagne. Je crois que j'aurais préféré les nains quand même. Et le vainqueur sera, attention, c'est parti. Random 2. Et le vainqueur est le numéro 1. Et on va jouer du full tactique, bien sûr, bien entendu. Ça va être Cotonx. Ben, je vous dis à tout de suite pour le building qui se passe ici, en fait. Hein. Donc, on a eu. Tanin. Non. Legolas. Legolas, on va y arriver. Du corset. Ama. Et Mablung. Non. Ouais. Bon, direct et de lance. Spear. Ticket Spear. 3 fois défunte. En 3 fois. Oui, alors là, je me gêne pas, je me lâche. Hein. Faux Hammer. 3 fois. Des armes. Donc Gondolin. Blade of Gondolin. 3 fois. Rivendell Blade, 3 fois.
J'ai bien envie de mettre du shield sur ma boom, mais il va quand même aller en quête les trois quarts du temps, donc je vais plutôt rentrer des alliés qui vont quêter et tracher. Des ramasses. Ça me paraît indispensable. J'ai presque envie de rentrer les aigles, sentinelles. Avec la ressource de ma bloom, je pourrais les garder un peu plus longtemps en vie. Je vais également mettre. Un ou deux Rowan War Horse. Ensuite. Des mains sur l'arc, deux fois je pense. Il me faut de la quête, il me faut Beaufur. Il faut des personnages qui quêtent. Ou pas trois fois, une fois ça sera suffisant. On a Beachbone, je pense, qui quête à deux. Ouais. On a Grimbold. Qui quête à deux. Je vais peut-être en mettre deux fois. Je vais mettre des Hunters, je pense. Générer des ressources sur ma Bloong, quitte à les tracher derrière. Ah, je sais ce que je vais mettre. La nouvelle carte, elle s'appelle comment? Wait No Longer. Il n'y aura pas le dessin, mais c'est la nouvelle carte qui permet de. Du Mumakill. Qui permet au début de la phase de quête de. Regarder les 5 premières cartes du deck de rencontre, de choisir un ennemi, le mettre engagé avec moi. Et de révéler une carte de moins jusqu'à un minimum de 0. Donc. Je vais avoir un deck qui va gérer des ennemis. Je sais pas comment je vais quitter dans ce deck. C'est affolant. J'ai pas de Théoden, donc ça va être très difficile pour la quête. Je pense qu'on va se la jouer light et jouer probablement un scénario léger à nouveau. J'hésitais même avec le premier scénario de la boîte de rencontre, mais on va la jouer un peu plus ballsy à mon avis. Je ne sais pas en fait. Parce que non, il va falloir que je quitte, c'est pas possible. Je quitte qu'à deux là. Même le premier va me battre, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux mettre pour quitter Sylvain Barbe? Je peux éventuellement ajouter. Pff, oh non, ça va être mauvais. Qu'est-ce que je peux ajouter pour quitter? C'est le moment d'essayer des trucs. Hein. Azin ne quitte pas, Béorn ne quitte pas. Ah, des aigles. Des aigles. Les aigles des monts brumeux. Soldats de l'armor, est-ce que ça peut m'aider ça? Ça quitte pas, mais ça peut tracher. Alors, si je rentre des aigles, je vais rentrer ceci. Ceci. Ne quitte pas. C'est pas folichon la quête. Du tout même. Remil qui est à 2. On va le mettre. Et oui, on en est là. On en est là. Gualir, il coûte trop cher, quoi. Il coûte trop cher, Gualir. J'ai un rang 1, il coûte plus que 2, je vais mettre un Gutalf. Ça qui est à 1. Ma gote, tu coûtes trop cher, si t'avais quitté à 2, je te rentrais. 3 aigles comme ça. Remire, non. Pas simple, hein, de quitter en tactique. Je vais repasser à un Grimbold. Pas facile de quitter en tactique. Élargir ça me coûterait 1 et ça permettrait de quitter. Ouais, un gros Gandalf, tiens. Rôdeur du Cardolan, je pourrais les jouer avec ma Bloong. Non, il est pas du Nodin. C'est un fake. Des vigiles pour la menace. Je crois que j'ai pas le choix, il faut que j'en tape 3. En plus ça peut m'aider à éventuellement quitter si je mets en zone de cheminement. Et là il reste 3 places quoi pour essayer d'amener un peu de quête dans ce deck de Strong. Et si possible pour pas trop cher. Presque envie de jouer Saruman moi. Tu vois?
Saruman il quête à 3 et il enlève une carte de la ZC. Le mec il t'aide à fond à la quête. Après c'est 3 de Doom dans ta panse, mais si je joue ça et avant que j'arrive à jouer Wait No Longer, si j'ai assez de ressources, ça peut faire une. C'est mauvais, mais ça peut. Je vais en mettre un. Parce que j'ai envie de ressortir Saruman. Et j'hésite fortement à en mettre 3 en fait. Mais je crois qu'il y avait une carte tactique rouge qui permettait de quêter un petit peu. Ça c'est quoi? Non. Non. Non plus. Non. 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 Nope. Non. Pop, pop, pop. Knife work. Non. Non. Ah ouais. Quick strike, ça pourrait être sympa. Thinner than steel, ça pourrait être sympa, mais je vais pas essayer de pas beaucoup défendre avec ce deck. Les aigles arrivent, je vais mettre ça dans le side, je vais encore réfléchir à leur, s'ils arrivent ou pas. Alors. Ça peut m'aider à quêter. À 8 voire 9 ou 10 avec des armes. Enfin 8 probablement, ouais non 8 parce qu'elle ne donne pas de bonus. Ça peut m'aider à quêter à 8 certains tours pour essayer vraiment d'appuyer la quête. Je vais mettre ça en side, garder l'idée. C'est là. On utiliserait notre attaque à la place. Ça peut vraiment faire des gros boosts de quête pour mon deck. Qui va vraiment en avoir besoin je pense. Et avec ça, je pourrais éventuellement mettre des voix de magicien. Il faut que j'essaie de trouver un moyen d'avoir des ennemis au contact. Et pas gérer. C'est ça que j'adore à faire avec des decks un peu random comme ça. Parce que ici, tu joues en solo avec un deck qui est pas prévu du tout. Une compo qui est pas prévue du tout pour solo. Ça peut être une très très bonne compo pour du multi. Tu essaies de chercher ta headlance et puis après tu headlance en récursif. Mais pour du solo. Bonsoir quoi. C'est pas cette carte, c'est un attachement en fait que je cherche. Ah, Rod. Pour mettre des petits pios sur les ennemis, on va mettre ça en side, on va réfléchir à son destin. Black Arrow, pareil. Le bouquin d'Eldakar, ça peut être très sympa aussi pour rejouer mes Wait No Longer. Il va être assez. Assez gourmand en ressources ce deck. Hein. Voilà, c'était ça le grappin. Discard grappling hook and exhaust character to commit attached character en utilisant son attaque à la place de sa volonté. Ou de sa défense si la quête est en siège. Il faut le défausser quoi. Je préfère quand même. Vachement entraîné pour la guerre. On a joué que si chacun de vos héros non le trait tactique, ouais. Ouais, j'aime bien cette carte là. Je vais la mettre en deux fois. Derrière, je pourrais éventuellement virer quoi. C'est le moment d'essayer d'optimiser un peu le nombre de cartes que j'ai. Pas grand chose à optimiser. Non, non. Passer un War Horse. Parce que bien d'avoir un sur Legolas et un sur Ama. C'est pas perdu en tout cas.
pour du multi-kill. Est-ce que je vais souvent avoir besoin de faire du multi-kill? Je vais passer un. Je vais passer un 1. Ok, je pense que je vais en rester là comme ça. S'il veut pas, parce que je vais avoir vraiment beaucoup le temps de le jouer. Pareil pour Saruman. Mais bon, il peut faire quand même un gros burst de 3 en quête, environ une carte. C'est un peu de la du rush, mais. Bon, allez, je crois que je vais le tenter comme ça. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Bon, bah voilà, bah, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la vidéo sur le scénario. Je sais pas encore, je vais réfléchir à ça. Et on se revoit tout de suite. Ciao, ciao. Et re-salut, on est reparti. Alors, j'ai pris 7ème niveau. On va voir ce que ça donne. Il faut quand même de la quête et j'en ai pas des masses. Par contre, il y a de l'ennemi. Et on va voir ce que ça raconte. Il faut que déjà que j'augmente ma menace de 2. Donc, on passe à 30. C'est un petit lieu. Et je garde ma main et je crois que je ne vais pas jouer grand chose. Je vais jouer lui pour reprendre le top 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre celui-là. Engager avec moi. On les remélange. Donc je gagne une ressource sur ma blong. Avec cette ressource, est-ce que je joue quelque chose? Est-ce que je l'économise? Je pourrais jouer une blade, j'en ai pas vraiment d'utilité, sauf si je veux tuer celui-ci tour 1. Peut-être pas. J'ai de quoi le feinter ce tour-ci. Je crois que je vais l'attaquer à 1, je vais économiser mes ressources. Économiser mes ressources ce tour-ci, quoique si j'attaque et que je tue, j'avance sur la quête. Allez hop là, 2 sans m'incliner, 3. Mon dieu, que ça quête mal! Allez, 4 et 5. On pousse un peu la quête à 5. Ouf. Je prends 3 de menace parce que j'ai un échec de 1 plus 2 de Doom. On voyage. Carte d'ombre. Autant le bloquer. Et c'est le début des emmerdes. Un ennemi dans la ZC. Ok. 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 J'aurais dû le feinter. Éventuellement. Mais j'aurais pas pu récupérer ma feinte ce tour-ci. D'accord. Bon. 1, 2, 3, sans hésiter, de la quête. Et je vais partir en quête à 2 sans m'incliner. 3, 4, 5. Et je vais garder ici. Il faut que je commence à tuer pour essayer de gagner un peu de la quête. 5 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était encore un échec de 1. Ces deux ennemis m'engagent. Et on va commencer à jouer de la haie. 1, 1, 1 de chaque héros. Et de lance, ils peuvent pas m'attaquer ce tour-ci. Ce qui nous évite un renforcement en ZC. Ok. Derrière, je vais en tuer au moins 1, voire 2. Legolas va tuer ici pour mettre 2 marqueurs ici. Et ici, il attaque à plus 1 sur les orques. Donc j'attaque à 4, je le tue, et lorsque j'attaque, je récupère ma headlance contre l'aigle. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et je mettrai encore un marqueur ici. Pardon, ici. Ok, on s'en sort, on survit quoi. Marteau ennemi, ça c'est très cool. Je vais garder mes ressources. Ah, j'étais engagé par un ennemi, je gagne une ressource. Je vais garder mes ressources, j'ai aucun intérêt à payer quoi que ce soit ici. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai presque envie de dire 6.
6, mais je gagnerai plus en tuant avec les Golas. 5, mais c'est juste pour essayer d'éviter un max de me prendre de la menace. Je reste sur 5. 5 pour 5, c'est bon, on n'avance pas, mais on recule pas non plus. Sa carte d'ombre ici, je peux défendre avec ma blonde tout simplement ce tour-ci. Je défends avec ma blonde. L'effet d'ombre, il n'y en a pas. Et derrière, je vais tuer avec les deux. Pour mettre 3 marqueurs. 1, 2, 3. 1 de la blade qui clear le lieu, 2 de Legolas sur la quête. Et je pioche 3 cartes avec mon marteau à ennemi. Pas d'événement récupéré dans ma pile de défausse, donc je ne récupère rien. Et c'est tout. C'est déjà pas si mal. Là, j'ai assez de ressources pour pouvoir me payer Rumil. 1, 2, 3, 4. Qui va booster un peu ma quête. Et quand il arrive, et jouer depuis ma main, il fait X points de dégâts aux ennemis. Un ennemi, où X est le nombre de caractères avec, à distance que j'ai. Donc j'en ai 1, 2, je peux faire 2 dégâts ici. Est-ce que j'ai envie de le tuer ce tour-ci ou essayer de profiter de mon marteau à ennemi? Je crois que je vais le tuer ce tour-ci, directement, lui faire son dégât. Comme ça, il dégage. Et je peux quitter un peu plus sereinement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. Est-ce qu'on pourrait presque s'en sortir? 7 et j'ai envie de dire 8. 9 ce tour-ci, éventuellement. 8 pour assurer une attaque éventuelle. Afin de piocher. Je peux feinter ce tour-ci à la place de jouer ma haie. Ah, c'est dit, Legolas, il est plus fort quand il tue en quêtant. Hein, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a déjà 5. Je pourrais aussi bien mettre de l'allié ce tour-ci. Hein. Ou jouer Wait No Longer. Et gérer mon ennemi normalement. En mettant un allié, genre un défenseur du ramasse. Je joue Wait No Longer, ça me ramène un ennemi, je gagne une ressource sur ma blonde. Et avec ces deux ressources-là, je peux jouer. Ou je peux jouer ça et quitter comme un gros veau. À ce moment-là, j'ai plus qu'à garder un trash. Pas simple de choisir. Ça me permettrait de quitter à 8 avec mes héros, 9, 10, 11, 12, potentiellement 12. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. À ce moment-là, il faut que je garde juste de quoi le bloquer, donc probablement lui. Voir ma blonde. Ça me permettrait de gagner 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pourrais quitter à 11, gérer mon ennemi normalement. Ça permettrait d'avancer pas mal sur cette quête-ci. Je vais peut-être attendre le prochain tour pour faire ça. Faut quoi que. Quand même déjà beaucoup en ZC. Ouais, puis on est là pour essayer des trucs, hein, bordel. Donc. Ah, mais je peux pas pouvoir le faire dans ce tour-ci. Cette carte-ci se joue en phase de quête. Wait No Longer se joue en phase de quête. Enfin, je pense. Je pense que Wait No Longer se joue en phase de quête. Je vais aller checker ça tout de suite et je reviens vers vous. Et en effet, ça se joue en phase de quête. Au début de la phase de quête. Donc je vais pas pouvoir le faire dans cet ordre-là. Donc je vais rester sur ma première idée d'envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 5, c'est pas folichon. On devrait pas se prendre d'échecs.
Je peux très bien faire dans ce sens-ci, en fait, je peux très bien jouer ceci après. Je pourrais très bien jouer mon Wait dans Longer maintenant, et essayer de ramener un ennemi. Ce qu'il y a, c'est que non, je vais pas pouvoir les rajouter à la quête, donc ça sert à rien. Je vais juste garder mes ressources. Je vais peut-être envoyer de l'Ego là ce tour-ci, au cas où je n'ai pas un ennemi qui vienne. 2, 4, 6, 7, 8, on est parti. C'est un ennemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien fait d'envoyer les gueulasses. Moi, j'ai pas d'échec de quête. 8 pour 8. Par contre, lui m'a enlevé un marqueur. Ah, si je voyage là-dessus, j'avancerai pas. Je vais déjà voyager là-dessus. On va bien voir. Lui m'engage, je gagne une ressource. Il attaque à 1. Je le défends à 2. J'ajoute le gobelin dans la zone de cheminement. Yay. C'est pas revealed. Ok, fin, c'est défendu. Lui, il faut lui faire 3. Je le tue. J'ajoute un marqueur ici. Et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ça, c'est fait. Et bien, fin de tour. Il est mort. Fin de tour. Fin de tour. On va booster la quête avec des aigles. 1, 2, 3, 4. Aigle des monts brumeux. Et là. Bon, je vais avoir deux ennemis qui m'engagent ce tour-ci. Potentiellement deux ennemis qui m'engagent ce tour-ci. Donc j'ai le choix. Je peux taper un ramasse et garder une feinte. Ce qui me permettrait d'être plus flexible par après. Ou garder tout simplement pour jouer ma lance. Je crois que je vais jouer ramasse. Et. Garder une ressource pour une feinte. J'ai pas grand chose d'autre à jouer. Si je pourrais jouer les Legolas maintenant. Non, il tuera pas. S'il aura plus un. Ouais, ça vaut le coup ça. Allez, je paye un de Legolas. J'attaque à 4 ici. Je le détruis. On met deux marqueurs ici. Et pour la quête, j'y vais à 2, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Et je vais à 9 en quête, on est parti. 9 moins, alors je retire 1 de la quête. Donc 9 moins 3, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, c'est qu'on avance, l'air de rien. On a 38, mais on avance. Je ne vais... Faut quand même que je le liquide, ce lieu. Mais peut-être pas ce tour-ci, je prends le risque de le laisser encore un tour. J'ai peur de tomber sur le troll qui a double renfort. Ça ferait très mal. Du coup, lui il attaque à 3, je vais le bloquer avec mon ramasse. Pas de bonus, mais un gobelin qui remonte en ZC. Donc il reste vivant. Et par contre, je peux le tuer. Et récupérer un marteau ennemi. Je vais le tuer, mettre un marqueur ici, et en attaquant je récupérerai un marteau ennemi. Je pourrais refaire un coup de Legolas en fait. J'ai pas spécialement besoin de piocher, j'ai pas les ressources pour jouer des cartes, donc je vais récupérer une main sur l'arc au profit de d'un aigle. Donc je trouve un aigle, je récupère ceci grâce à un main, lui il est mort. J'ai déjà mis le marqueur et c'est bon. Pas mal technique, pas mal technique. Dommage que tu n'as pas trop à toi mon coco, j'aurais pu te faire le grand chelem. Le grand salem. J'ai presque envie de te dire que je vais jouer ceci. Destrier du Rouen. Pour 1, je vais jouer les mains sur l'arc, je t'attaque à 4. Tu meurs. Je mets deux marqueurs ici. Vu que tu es mort, je me redresse, donc je peux encore rejouer les Legolas. C'est pas mal en fait, les mains sur l'arc avec Ama aussi. Hein. Pré-quest pour dératisser un peu la ZC. Il me reste une ressource, est-ce que je la garderai pas en écho? De toute façon, pour jouer une fin, tout ceci ne me sert pas tant que maintenant. Je vais la garder en écho. Un écho round sur Mablung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 2. Alors, on fait X points de dégâts à un allié, X est le nombre d'alliés que je contrôle. Je crois que je vais gentiment perdre un de quête.
ou un ramasse. Sachant que je peux feinter en récursif, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je perde le ramasse au lieu de perdre de la quête? C'est dit, je vais pas mal avancer ce tour-ci, je pense même qu'on va passer d'un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 2, on va avancer de 6. Si je tue pas le ramasse, on passe pas. Si je tue le hunter, on passe pas, pardon. Et si je tue le ramasse, on passe. Est-ce que j'ai envie de passer ce tour-ci? Il commence à arriver beaucoup plus de cartes, de me laisser encore un tour pour éventuellement me poser. Et éventuellement passer le prochain tour. Les ennemis, dans l'absolu, je vais pouvoir les gérer avec des headlances en récursif. Donc théoriquement, je pense que j'ai gagné la partie. Théoriquement. Sauf gros coup dur. Parce que tous les ennemis, je vais pouvoir les feinter. Donc je vais virer le ramasse. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moins 2. On met 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe à 15. On passe la quête, donc on révélera une carte supplémentaire. Je perds le livre de Mark Zabul, donc je devrais maintenant incliner Mablung en phase de quête. Et la deuxième carte qu'on révèle, donc c'est carte par nombre de joueurs qui sont dans la partie, donc on révélera une carte de plus. Et si la carte qui est révélée est un ennemi, elle restera dans la zone de cheminement tout simplement. Est-ce que je voyage vers ça? En fait, le tricky maintenant, c'est que ceci, il va être beaucoup plus efficace vu qu'on va révéler beaucoup plus de cartes, mais je pense que j'ai de quoi contrebalancer ce fait là grâce à Legolas et ma lame de Gondolin. Donc je vais en rester là pour ce tour-ci. Gagner mes ressources, je vais juste garder de quoi jouer ma lance peinard. Je peux mettre une deuxième gondoline sur Legolas par exemple, hein. Ça pourrait faire vraiment du gros carnage ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que le gars là, je peux attaquer deux fois, donc je pourrais mettre. Il n'y a pas de limite de tour, donc je pourrais mettre jusqu'à 6 marqueurs s'il tue deux fois. Donc là, on est pas mal, on a réussi à contrebalancer un peu le fait que la quête, c'est pas notre point fort. Ok, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Il s'incline maintenant. 9. Je garde le reste. Hein. On part à 9 contre 2. Deux cartes à venir. Un ennemi en premier, et là on prie pour que ce soit pas un ennemi. Ok, un ennemi arrive, j'enlève, il n'y en a pas. Allez, pas d'ennemi, pas d'ennemi, pas d'ennemi. Et c'est pas d'ennemi, cool. 9 moins 4, ça fait qu'on avance de 5. C'est pas mal du tout ça. Bah, lui, je vais le faire un test aussi, tout simplement. Il m'engage, donc je gagne une ressource. La ressource que je viens de gagner, je le feinte. Tout simplement. Et je le tue derrière. Hein. Rien ne dit qu'il faut attaquer seul. Donc je vais attaquer avec les deux ennemis. Pour faire un gros burst sur la quête. Legolas. 1, 2, 3. Il va mettre 3 marqueurs sur la quête. Et un mât. Bon, maintenant, je sais pas si on sait les cumuler. Est-ce qu'il est mort avant avec l'attaque de Legolas? Est-ce qu'on résout l'attaque de Legolas? Est-ce que les deux s'additionnent? Dans l'absolu, je vais peut-être la jouer comme ça. Et juste attaquer avec Legolas. Si je perds ma feinte, je peux la récupérer éventuellement le tour prochain. Ou alors j'attaque avec ma blonde. Non, Legolas c'est quand même 3 marqueurs sur la quête. Là où Amas n'en est qu'un. J'aurais peut-être dû mettre la deuxième blade sur Amas. Ça m'aurait fait 2 et 2. Sachant que quand on n'a qu'un ennemi, mais bon, je m'attendais quand même à me faire bien renforcer. Oh, les ennemis vont arriver, je pense. Hein. Donc je vais juste tracher ma feinte, tuer avec Legolas. Il est orc, donc j'ai plus 1, donc j'attaque à 4, donc c'est suffisant pour mettre 1, 2, 3 marqueurs de plus. On va la jouer comme ça, je pense que c'est la meilleure façon de jouer. Garder mes ressources, là je vais avoir de quoi jouer. Ouais, je suis pas mal, là. Je vais pouvoir faire un Wait No Longer ce tour-ci pour révéler une carte de moins. Je pense qu'on est bon. J'ai presque envie de booster encore un peu plus la quête à la place de mettre Wait No Longer. 1, 2, 3. Si je fais ça, je peux plus jouer ma headlance. Mais je gagne 2 de quête. Est-ce que je joue Wait No Longer ou pas? Ça permettrait de révéler juste une carte. Est-ce que je booste la quête? Si des ennemis, de toute façon, je sais les gérer. Ce qui me fait plus peur, c'est les traîtrises.
Et si elle est révélée en deuxième, la traîtrise ne me fait pas peur parce qu'elle sera annulée automatiquement, je pense. Je vais annuler la première carte qui va être révélée, je devrais juste en révéler une deuxième par l'effet forcé. Les deux se valent honnêtement. Parce que ce tour-ci, je peux très bien juste les envoyer tous en quête, garder juste les Legolas pour tuer éventuellement deux ennemis. Et envoyer un mât pour un. J'ai envie de tenter le Wait No Longer. Alors, Wait No Longer, c'est en début de phase de quête, je révèle 5 cartes. Je prends un ennemi, oh ça c'est super bon parce que je vais pouvoir prendre celui-là. Et je révélerai donc une carte de moins, vu que j'ai révélé, j'ai un ennemi engagé, ma Blung gagne sa ressource, c'est en plus très très fort avec ma Blung. Et je remélange le reste. Je crois que c'était le bon call, je crois que c'était le bon move à faire. Et en quête, j'envoyais donc la bourrinitude de ce que je peux, je suis à fond de rupteur, 2, 4, 6, 8, 9. 9 ça me paraît bien. Et lui autant le garder parce qu'il quête pareil que s'il tuait donc. Je pars à 9, je n'ai plus qu'une carte à révéler, si c'est pas un ennemi, elle s'en va. C'est pas un ennemi, elle s'en va. 9, j'avance de 7 ici. Ça fleure bon, je pense qu'on a gagné. On est à 15, ouais, il reste plus qu'à tuer avec les Golas. Ouh, c'est beau ça, c'est beau ça, c'est beau comme un camion. Bah voilà, j'ai plus qu'à les feinter. Et de lance, 1, 2, 3, avec les 3 héros différents. Il n'attaque pas, ce qui m'évite de prendre une deuxième attaque par exemple. Il n'y a plus qu'à kill. Il n'y a plus qu'à kill. Amma va tuer celui-ci. Il attaque à 4. Quand Amma tue, je vais remonter la haie de lance à la place de l'aigle dans ma main. Faire les choses bien. Je mets un marqueur ici. Et Legolas se charge de tuer celui-ci. C'est un orc. Il a son plus 1 grâce à l'épée. Il tue ici en lui mettant ses 3 dégâts. Je le redresse avec le poney et je mets 3 marqueurs sur la quête, ce qui nous permet de gagner au tour 7 avec un deck full tactique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, la composition est forte malgré tout. Dans le sens, mais c'est plus une compo de multi quoi. Je peux gérer les ennemis de la table pour peu que j'arrive à les engager chez moi. Première fois que je teste, enfin, pas la première fois, mais sur une vidéo CTGN, que je teste Wait No Longer. J'aurais pu, je pense, aussi ce tour-ci tenter cette carte. En fait, c'est pas mauvais du tout comme carte. Tant que tout est rôle très tactique, tu la joues et la quête passe en mot-clé bataille. Je pense que cette carte aurait pu faire fortement le taf sur ce scénario pour moi. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'allais pouvoir gentiment pouvoir baisser ma menace. Tôt ou tard, j'allais baisser ma menace. J'allais probablement le tour qui vient. Voilà, je piochais ça. Donc le tour qui vient, j'allais probablement pas jouer grand chose. J'allais attendre pour Grimbold. J'avais deux ressources à éventuellement dépenser. Pas grand chose à faire de ces ressources. J'aurais pu vraiment burster la quête. En fait, là, j'aurais pu vraiment tout envoyer. Pour quêter à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'aurais pu quêter à 17 ce tour-ci. Et derrière, avoir quand même la possibilité de faire une haie de lance. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait juste arrivé ça. J'aurais perdu un quêteur probablement probablement lui, je serais repassé à 14 et 14 moins j'aurais perdu un marqueur là donc 14 moins un marqueur moins ça fait que j'aurais quand même avancé de 11 donc je pense qu'on passait largement aussi et derrière j'avais une aide lance à jouer donc ouais je suis assez content. Bon, j'ai eu du bol, j'ai quand même eu un deck assez solide dans le choix. C'est la deuxième fois que j'ai des decks assez solides, enfin solides, on se comprend, il faut que j'ai pris un scénario où je pensais avoir des chances de le réussir. C'est passé, ça aurait très bien pu se passer à l'inverse, j'aurais pas eu de lance début de main, je pense que j'aurais galéré. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à
à la suivante, j'aime assez bien ce concept, donc je vais continuer gentiment, mais calmement. Donc Wait No Longer avec ma Blue Gamma, bouffez-en, c'est très très fort. De toute façon, de base, la carte, je la trouvais extrêmement forte, surtout avec ma Blung. Très sympa de pouvoir également rejouer des mains sur Rugarc avec les Golas en les récupérant avec Amma. Je trouvais ça sympa aussi de pouvoir virer les ennemis et d'avancer, ça comble un peu le manque de quête. Voilà, merci, à bientôt, salut, ciao.